Et éventuellement. Library en anglais. Et je voulais un livre, tout simplement, parce que j'habitais là. Puis la personne qui me reçoit a dit, You don't speak French here. Suite, paf! Puis elle me fait des signes comme ça. Et ça a été un choc parce que je me dis, Hey, je suis à Montréal, là. Et finalement, j'ai comme tout ça, pour en venir au livre, m'a fait comprendre, m'a fait réaliser à quel point notre origine, comment c'est important de la connaître, de savoir d'où on vient, parce que je trouvais ça comme injuste. Je ne comprenais pas. Et finalement, c'est ça, quand on s'est retrouvés, moi et Réjean, on en a parlé beaucoup. Il m'a beaucoup aidé là-dedans. J'ai retrouvé plein d'origines que je ne soupçonnais pas. Et j'en ai parlé avec mes parents. Puis eux autres, ils ont commencé à s'ouvrir un petit peu. Un petit peu. Surtout mon père a commencé. Mais ça a pris quelques années. Puis à un moment donné, à la fin de sa vie, je dirais, il y a eu un cancer. Puis peut-être 6 mois avant, il a commencé à me remettre des choses qu'il avait comme souvenirs. On a eu un livre, entre autres, que là, on commence à feuilleter. Puis tout d'un coup, je vois Chant en sauvage. Ça venait de sa mère. Fait que j'ai dit, ah, Chant en sauvage, c'est quoi ça? Puis il commence à la chanter. Fait que là, j'ai dit, ouais, mais là, ça vient d'où, ça? Fait qu'il dit, ben, ça a toujours été là. Puis, dans les recherches, c'est de la parenté, c'est Mi'kmaq. C'est des chants Mi'kmaq. Chants Mi'kmaq. Fait que, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites non plus. Ma grand-mère a eu beau écrire, mais elle ne pouvait pas tout écrire. Puis il n'y avait pas beaucoup de monde qui savait écrire aussi à cette époque-là, faut dire, parce que moi, je viens d'un milieu d'éducation, excusez, et agroalimentaire. Donc, c'est sûr qu'on n'était pas riche, on n'avait pas une grosse éducation. Mais, ben, je parle en termes pour mes parents, mais quand même, ils nous ont transmis ce qu'ils pouvaient au niveau de la tradition orale. Donc, c'est sûr que quand j'entends comment vous racontez les choses, c'est très, très précises avec des données empiriques, tout ça. Moi, ça va être impossible de vous prouver sans contredit que je suis d'origine telle ou telle. Mais je ne remettrai jamais en cause la parole de mon père ni de ma mère quand elle me dit que oui, nous autres, on a des origines de tel endroit, de tel endroit, et on s'est mélangés ensemble. Jamais je remettrai ça en question, puis il n'y a pas personne qui peut me dire le contraire. Puis j'en suis fière et c'est ce qui a fait que je suis arrivée quand on a parlé de ça pour le sang mêlé. Jouer effectivement, moi je suis dans cette quête-là. Et quand on parle de réconciliation, tantôt Marco l'a fait allusion un petit peu, moi je pensais ça, la réconciliation commence toujours. En tout cas, pour moi je suis formée en psychologie hein, en passant, puis en communication. Donc c'est sûr qu'en tant que psychologue, j'ai toujours cette vision, je dirais, de comment moi je suis par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, c'est ça. Donc, la réconciliation, ça commence avec moi. Est-ce que moi, je suis à l'aise avec ça? Donc, si je suis à l'aise, est-ce que je suis capable de le nommer? Comment je vais le dire? Puis là, c'est sûr, je n'aurai pas toutes je n'ai pas l'université je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas un professeur, mais je suis capable de dire. Je suis capable d'affirmer ça. Est-ce que je suis capable de l'affirmer? Est-ce que je suis gênée de l'affirmer comme mon père et ma mère avaient? Est-ce que j'ai peur de me faire critiquer par ça? Oui. Je vais vous dire oui. Parce que c'est extrêmement dur ici, entre autres à Odonac. Comme Réjean disait, on refuse même de lire notre livre, même si c'est un personnage. C'est sûr que le personnage, on sait que c'est. Il y a un fond avec Réjean dans tout ça. Mais est-ce que la vérité dans la réconciliation, c'est la base? Fait que si tu n'as pas de vérité dans la réconciliation, bon, pour moi, il n'y en aura pas de réconciliation. Ça va être extrêmement difficile parce que ça va être basé sur un mensonge. Donc, c'est sûr que, et des fois, oui, ça peut être un petit peu intimidant. Mais moi, ça reste que je veux laisser un legs à mes enfants et à tout le monde qui veut nous entendre.
oui, justement, soyons fiers de qui on est, de ne pas être gênés d'en parler. Mais si il y en a qui ont des talents pour écrire, faites-le. S'il y en a qui ont des talents pour parler, faites-le. Aujourd'hui, on a eu nos élections, il n'y a pas si longtemps, de Pierre Saint-Paul Plamondon, je pense, c'est ça, qui s'est tenu debout face à la question de la monarchie. C'est un début parce que ça représente bien que nous autres, en termes de francophones, c'est comme ça qu'on se voit. Si on veut être honnête avec nous autres, c'est vrai que c'est le même qu'on pense. Alors, mais c'est pas facile. C'est pas facile. On est une petite gang aujourd'hui, puis je l'apprécie beaucoup. Mais nous autres, dans notre cas, en tout cas, c'est sûr qu'on continue à donner des ateliers justement pour ça, pour dire c'est quoi la vérité, qu'est-ce qu'il y en a exactement. Et c'est pas toujours facile à entendre. Il y en a qui ont des réactions, il y en a qui pleurent, il y en a qui se fâchent, mais bon, mais c'est ça. T'sais, il faut vivre avec. Donc, en tout cas, on est très, très fiers de ce qu'on écrit. Puis, j'espère que ça va se continuer. Merci. Merci infiniment, Jacinthe, de tes propos, de nous relater cette relation intime avec l'univers, de nous remettre dans cette perspective-là. Et merci vous aussi à Régent de ta participation à ce forum. Maintenant, j'aimerais entendre, avant de passer peut-être à d'autres idées, j'aimerais entendre Madame Joanne Brissette. J'aurais quelque chose à vous proposer. J'aimerais que moi, je vous identifie. Joanne est encore là, oui? Je sais pas, là, je sais que sa caméra est fermée, là, ça fait que. Oui, OK, OK. je suis là. Oui. Est-ce que tu m'entends, Joanne? Oui, je t'entends, oui. OK. Donc, voilà. Alors, voilà, j'aimerais que tu. Moi, je te considère comme une leader moderne. OK? Une leader moderne des Métis de la rivière Chicot, parce qu'on connaît un peu ton histoire et puis l'histoire aussi de cette communauté là, là-bas. Et puis, j'aimerais ça que tu nous entretiennes un petit peu. Brièvement, malheureusement, mais sur le rôle des femmes dans l'héritage métis en général, c'est-à-dire les femmes, est-ce que les femmes ont été porteuses de tradition et comment aujourd'hui ça se traduit? Est-ce qu'elles le sont encore ou est-ce qu'elles sont discriminées un peu ou trop? Ou j'aimerais ça que tu nous entretiennes de ça. Ben écoute, n'importe qui sont sur les réseaux sociaux peuvent constater de l'expérience que moi j'ai vécue par des attaques personnelles, du doxing, et tout, là. Je pense que c'est quand même important. Nos pères étaient voyageurs. C'est certain que souvent, les familles voyageaient en unité familiale. Si on regarde même aussi récemment que la Gibaudière Gadoury, oh, la Gibaudière Gadoury, Coutu, Dubois, en tout cas, ça voyageait ensemble et c'était tous des premiers cousins de Louis Riel. OK? Et puis, ça faisait plusieurs générations que ça voyageait ensemble. Ceci étant dit, même si ça voyageait en unité familiale, je pense que les femmes, c'est nous les porteuses de tradition. Et comment mieux détruire les traditions que de silencer la femme métisse? Parce que, et je reviens à un commentaire dans le livre blanc écrit par Pierre-Elliott Trudeau et je crois que c'était Jean Chrétien, où ils avaient dit que si tu as perdu ta langue, si tu as perdu tes traditions, c'est que tu as été assimilé dans la société qui est au pouvoir. Puis je pense que c'est peut-être ça aussi qui a beaucoup contribué à nous rendre silencieux. Et silencieuse. Silencieuse plutôt. Merci beaucoup, Joanne, de tes propos.
Maintenant, j'ai un dernier petit détour. Je m'adresserai peut-être à Marco. Je ne sais pas si Marco est encore là, j'imagine que oui. J'avais pris des notes, là, puis tu sais, bon, il y avait aussi monsieur, il y avait Régent aussi qui aurait pu aborder cette question-là. je ne sais pas, Marco, est-il là encore? Oui, je suis là. Oui? OK, bon, ça, j'avais donc un thème, en tout cas, que j'aimerais qu'il soit abordé un peu, c'est justement cette question-là, parce qu'on en a parlé avec Régent tantôt, sur la question de la nation abénakise, les Mi'kmaq aussi, les guerres frontalières à partir de 1713 ou quelque part par là, qui ont provoqué, là, après les conflits de la baie française puis de la frontière, du Maine, etc. Il y a eu comme une espèce de mutation vers l'Acadie, entre autres, peut-être le fleuve, le bas du fleuve, puis autrement dit, il y a eu comme une mouvance dans les territoires de la part de ces... Est-ce que tu as réussi à percevoir ça dans tes recherches historiques? La question, donc, je ne suis pas certain de vraiment la saisir. On parle de la Nouvelle-France. Oui. Donc, les mouvements, mettons, ce que moi j'ai pu comprendre, c'est que il y avait, mettons, les Abénakis, les Mi'kmaq, donc Mi'kmaq au niveau là, de l'Acadie, les Abénakis qui étaient un petit peu plus proches de la rivière Merrimack. Au fur et à mesure que les Anglais prennent possession de la Nouvelle-Angleterre, s'installent. La première guerre, disons, impériale, c'est à partir de 1688, la guerre de la Ligue d'Augsbourg de 1688 à 1697, c'est là vraiment où les hostilités ont débuté entre, mettons, la France et l'Angleterre, la colonie française et les colonies anglaises. Et ça, ces tensions-là ont eu particulièrement auprès des Abénakis, selon ce que j'ai pu bien comprendre, c'est justement ça. Il y a eu des solides affrontements là, avec les Abénakis. Ils ont migré vers le centre, vers la rivière Chaudière, vers la fin du 17e siècle. Donc, il y avait une présence assez importante au niveau de la côte. C'est à cette époque-là que, tranquillement, il y a eu une sorte de déplacement, tout en gardant, je pense, des territoires de chasse et tout, là, mais les communautés de Danak-Wolinak tirent leur origine de ce mouvement-là, de ce déplacement-là à cause des violences avec les colons de la Nouvelle-Angleterre. OK. Et c'est ce qui aurait, en fait, à partir de là, c'est ce qui aurait fait que la proximité de la nation abénakise, entre autres, qui était quand même au cœur du conflit lors de la conquête. Oui. Ben, c'est ça. Le conflit avec les Iroquois, d'abord, puis ensuite avec les Anglais, Ça a été tout à fait non instrumental dans le rapprochement entre Abénakis et Canadiens. Le simple fait, même l'existence de l'alliance franco-autochtone n'existerait pas comme elle existait si ce n'était pas du conflit avec les Iroquois, avec les cinq nations iroquoises et avec les Anglais. Donc, c'est sûr que quand d'un côté, il y a un ennemi qui se fait sentir, ben, on a tendance à se rapprocher de nos alliés. Et là, la guerre est un puissant vecteur de métissage, un puissant vecteur, disons, de rapprochement avec ceux qui ont les mêmes intérêts que nous. Donc, c'est ce que je pourrais dire, disons, sur ce sujet-là. Bon, ben c'est bien, ça répond Richard, à une question. Richard, oui? C'était une autre question pour M. Mallet. M. Mallet, il faut qu'il s'en va bientôt. Là. Ça fait que c'était une autre question pour lui. OK. Ben, j'avais je pensais qu'il était parti. Hein? Parce que ça s'adressait à lui, cette question-là aussi. Mais moi, personnellement, je serais là comme à court de questions. Pas à court, mais disons que j'en ai fait pas mal. Puis là, ben, je me demandais si on avait le temps peut-être de s'adresser peut-être à certaines questions qui ont été adressées par le public. Dan, c'est toi qui as le contrôle de la technique. Des gens qui... Je voudrais demander au public, M. Renald Robichaud, Yvan Charret et Pauline Naki, Daniel Lavoie, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions aux panélistes ou à Marco. Je ne sais pas si c'est encore là.
Il y avait M. Yvan Chorek, je pense. Que... Oui, je vois son nom ici. Personnellement, je n'ai pas de questions pour M. Marco. Ça a été clair. J'ai bien apprécié quand même ce qu'il dit. Nous autres, c'était plus un autre point au côté qui s'est adressé à M. Papin. OK. Pour, concernant le mot autochtone. C'est un bon usage qu'on en fait ou on ne devrait pas utiliser amérindien? Oh mon Dieu! Les deux sont corrects, évidemment. Le terme, pour moi, le terme autochtone inclut, donc selon la Constitution de 1982, ça inclut les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Tandis que amérindien, c'est seulement les Premières Nations et c'est surtout un terme américain. Mais quand on parle des papiers du gouvernement, ça protège seulement de la première, une Première Nation, ça ne protège pas ni les Métis ni les Inuits. Exactement. La loi sur les Indiens s'adresse aux Premières Nations. Et pas aux Inuits, absolument pas, et certainement pas aux Métis. Effectivement. Non, ça n'a aucune protection face à la loi qu'on s'appelle des Autochtones. Exact. Si je compte, moi, je ne suis pas du tout avocat ni spécialiste en politique, mais si j'interprète ce que je sais, effectivement, la loi sur les Indiens ne s'adresse absolument pas aux Métis. De toute façon, le gouvernement fédéral reconnaît uniquement les Métis qui font partie du Métis National Council, c'est pas le Rassemblement national des Métis, qui, eux, ne reconnaissent que les Métis de l'Ouest. Voilà. Enfin, c'est donc, les Métis de l'Est ne sont pas reconnus légalement ni par la province du Québec, ni par le gouvernement fédéral. Ni par la loi non plus. Parce que... Il n'y a aucune loi qui protège les Métis. Aucune. Enfin. Alors voilà. Est-ce que Daniel, est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? J'aimerais ça, Charles, peut-être. Oui, bon, c'est ça, M. Charest. Oui, la parole est à vous. Bon, dans un premier temps, je voudrais te remercier d'abord de m'avoir invité à participer à ça. Deuxièmement, je voudrais dire merci à M. Marco et le féliciter pour l'excellent travail de recherche de tout ce qu'il a pu accomplir à ce jour. Ma question est la suivante. Est-ce que le travail que vous avez fait, est-ce qu'il est considéré par vos pairs, dans le sens que je trouve que vous avez fait un travail colossal? Mais comment y est accueilli votre travail par rapport aux autres historiens ou par rapport à... Est-ce que vous comprenez le sens de ma question? Oui. Est-ce que ça s'adresse à plus d'une personne ou... Non, ça s'adresse à vous pour connaître, mettons, vous avez produit un livre là, que je vais me procurer sûrement. D'abord, premièrement, c'était très intéressant, la présentation que vous avez faite. Et je me dis, bon, ben maintenant là, que tout ce travail-là, en fait, si on ramassait tout ce qui s'est dit après-midi, je trouve qu'il y a énormément d'informations. Est-ce que vous pensez que ça peut être reconnu par des pairs historiens ou... Mm-hmm. Ben oui, ben en fait, le signataire de la préface du livre, c'est Denis Delage. Denis Delage, c'est vraiment une sommité... vraiment reconnu là, au niveau de l'histoire coloniale des Amériques. Fait que c'est, disons, pour ce livre-là, ça a été mon saut d'approbation de la part d'un académique là, qui a toute la reconnaissance disons, nécessaire. Moi, en fait, mon parcours, moi, je suis pas un historien doctorant. J'ai un bac en histoire et en sciences politiques à l'Université McGill. Mais disons, ma connaissance de la Nouvelle-France découle vraiment là, depuis 2016. J'ai commencé à m'y intéresser de manière passionnée et non académique nécessairement. Le livre a été écrit de manière seule. J'étais tout seul dans mon salon. J'ai pris un an de ma vie, en fait. J'ai tout tassé mes obligations de vie pour pouvoir me consacrer à temps plein à ça. Donc, quand Denis Delage a été interpellé et a répondu positivement, disons, à ce que j'avais commencé à écrire, ça a été pour moi, disons, un bel encouragement. Et d'avoir comme signataire de la préface, ça a été, disons, aussi
une étape importante, disons, dans la crédibilité que je pouvais avoir. Je dirais, il y a quelques historiens avec qui j'ai des échanges. Alain Beaulieu, qui, mettons, que je ne peux pas dire que je connais très personnellement, mais ses écrits, disons, poussent quand même dans la même direction. Mais de manière plus large, dont l'establishment, là, si on peut le nommer ainsi, l'establishment académique n'est pas du tout dans cette lignée-là. Disons, l'establishment fédéral ne veut pas reconnaître l'autochtonie qui habite l'histoire de la francophonie d'Amérique. Donc, c'est sûr et certain qu'à ce stade-ci, je suis un peu sur une ligne de front. Sébastien Mallette l'est aussi, M. Marcotte, M. Bouchard aussi, j'en suis convaincu. Il y a une ligne, disons, où il y a des deux écoles de pensée qui s'affrontent. Mon éditrice, d'ailleurs, est sur cette ligne-là aussi, avec toutes sortes de contentieux qui existent, avec des gens venant un peu de cet establishment-là, les Richaud, les noms un peu de ces adversaires-là. Je ne les connais pas par cœur, ça ne m'intéresse pas vraiment de leur accorder trop d'attention. Mais les vrais, disons, académiques, dans mon cheminement, moi, ça me fera plaisir d'avoir un dialogue avec eux quand le moment viendra, mais je ne passe pas par le milieu académique pour passer mon message. Donc, pour votre information, j'ai cofondé cette année un média indépendant qui s'appelle Libre Média. J'y tiens une chronique où, en fait, ce que je fais, c'est que je reprends mon livre là, carrément et je l'écris d'une chronique à l'autre, un peu pièce sur pièce, de manière plus résumée, donc plus accessible un peu. Mais moi, je m'adresse au grand public. Puis pour moi, la raison pourquoi j'ai fait le travail que j'ai fait, c'est parce que j'ai vu que les travaux des historiens dans les tours académiques, disons, sont réservés en bonne partie à un public qui est lui-même académique ou, très passionné, mais le grand public n'a pas accès à ces informations-là. Fait que moi, mon livre, ça a été de prendre l'information qui se trouve dans ces milieux-là de manière plus exclusive et de le communiquer ou de le rendre accessible au grand public. Donc, c'est un peu par ce chemin-là que je passe. Mais j'ai Denis Delage, disons, comme allié qui m'a donné un peu une sorte de saut d'approbation qui fait que c'est difficile, disons, de m'écarter sur la base que je n'ai pas tous les diplômes que eux voudraient que j'aide. Merci. Dans un effort de réconciliation, comme Mme Jacinthe Laliberté faisait référence, je crois vraiment et sincèrement que si on oublie toutes ces données-là ou tout ce que vous avez parlé, ben, je pense qu'on fait fausse route et je suis d'accord avec elle. Je la rejoins dans le sens que si on ne peut pas partager l'histoire ou si on ne peut pas la partager, notre histoire, c'est difficile d'avoir un semblant de réconciliation ou je ne sais pas comment vous pourrez appeler ça. Là, mais... Peux-tu juste ajouter quelque chose vitement? Oui. Nous, dans notre cas, on est reconnus par nos pères traditionnels. C'est une différence entre... C'est sûr que là, si on parle des universités, c'est un autre paire de manques. Mais les pères traditionnels, oui, eux autres, ils reconnaissent ce livre-là. Parce que oui, c'est la vérité, puis eux autres, ils la disent. C'est comme la jeunesse d'aujourd'hui, là, si je peux dire ça comme ça, on dirait qu'ils veulent, il y a un mot qui appelle ça cancel culture, apparemment. Ils veulent comme mettre ça à zéro, puis on repense quelque chose d'autre. C'est eux autres qui n'aiment pas ça. Mais sinon, les autres sont tout à fait d'accord avec ça, puis nous autres, en tout cas, on en a vendu beaucoup, on ne veut pas se vanter, là, mais c'est parce que la question est importante, parce que puis je pense que Marco, ça va faire son chemin, lui aussi, tranquillement. Mais c'est sûr que c'est difficile de percer, là, d'arriver dans un milieu que tout le monde va comprendre ce qu'on est en train de dire. Et surtout, est-ce qu'on est prêt à l'entendre? Il y a des choses. C'est juste ça que je voulais ajouter. Merci. Quelles sont les prochaines étapes? Les prochaines étapes, on en reparlera peut-être des prochaines étapes, mais je voulais juste rajouter quelque chose sur la question des travaux de monsieur, des travaux de Marco, mais en même temps, je trouvais important ce que Jacinthe vient de raconter, c'est-à-dire quels sont les traditionalistes reconnaissent, parce que
les traditionnalistes sont liés à la mémoire longue, ils sont liés au droit ancestral, ils sont liés dans toute sa dimension, et c'est pour ça que ces gens-là savent lire. Ils n'interprètent pas ça d'une autre manière, là, d'une manière très académique et très. Moi, je trouve les travaux de Marco absolument spectaculaires. C'est une vulgarisation, entre guillemets, mais très bien faite et très nécessaire. C'était un travail qui était nécessaire, il fallait que quelqu'un le fasse parce que c'était un peu éparpillé, puis là, ben, ça prend un peu plus d'ampleur. Évidemment, son discours accroche un peu le narratif usuel, j'oserais même presque dire le narratif métropolitain. Ça, c'est bien connu. On est tous un peu dans cette mode-là, puisqu'on essaie de parler d'autochtonie dans son sens le plus large. Puis on veut que justement ce phénomène-là soit reconnu. Et c'est pour ça qu'on a pensé à Héritage Métis, qu'on a pensé à faire ce genre d'activité auquel on a participé cet après-midi, c'est pour tenter de se faire connaître, puis de savoir aussi, comme un peu faisait référence Jacinthe, c'est que, tu sais, dans le fond, on n'est pas tout seul. Puis que cette réconciliation, entre guillemets, je la mets entre guillemets parce que je la trouve drôle, mais cette réconciliation... elle est nécessaire, mais il va falloir lui donner une forme, il va falloir lui donner un sens, ce qui actuellement n'est pas là pour tout, d'après moi. Moi, je remettrai la parole à, si personne n'a d'autres commentaires, je remettrai la parole à Daniel qui va conclure. Oui, une question pour moi à M. Mallet. C'est combien de familles que vous estimez dans vos recherches, dans votre livre, que vous avez vu qui seraient métisées? Combien à peu près? Votre micro il est fermé, là. Combien de familles que vous croyez ou vous avez vu dans vos recherches qui étaient métisées? Combien à peu près de familles? Bon, si je me réfère spécifiquement à la communauté, si on peut l'appeler comme ça, de la baie des Chaleurs. Là. À l'origine, on parle dans la période, disons, au 1700-1750, on parle d'à peu près une quinzaine de mères autochtones qui sont à la tête de toutes ces familles-là. Mais de ces mères autochtones-là, après ça, qui étaient, on pourrait dire, purement autochtones, il a découlé toute une série de mères métisses qui ont découlé de cela. Et c'est ce qui a été à la base de cette communauté métisse de la baie des Chaleurs. Et j'ajouterais en plus qu'il y avait ces familles-là, c'est que ces familles-là se mariaient entre eux, souvent au niveau de... pas souvent au niveau de cousins, propre cousin, mais souvent au niveau de deuxième cousin. Alors, au lieu d'aller chercher, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais au lieu d'aller chercher une épouse ou un mari dans une communauté complètement différente, les gens allaient plutôt chercher des mariages, des unions avec des familles qui étaient de leur parenté. Et ça s'est continué ça sur une période de 200 ans. Et c'est pour ça que cette identité métisse-là s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des communautés spécifiques que vous avez déterminées? Oui, je pourrais mentionner la communauté de Paspébiac. Et la communauté de Bocaraquette, du côté sud de la baie des Chaleurs. Et justement là où je suis plus au courant, je parle de la communauté de Bocaraquette qui est située dans le pays du Grand Caraquette. Et la différence entre les deux, c'est que la partie du Haut Caraquette a été surtout colonisée par les Acadiens qui venaient de la déportation. Et parmi eux, il y avait évidemment des métisses, là,
mais ce n'était pas la même, le même groupe ethnique, si on peut dire, que ceux du Bas-Caraquet, qui, eux, étaient essentiellement des familles de ces bétistes dont je viens de parler il y a quelques instants. Est-ce que c'était des autochtones spécifiques, Abénakis, Malkites ou... Probablement, mais surtout des Mi'kmaq et probablement aussi des Innus de la côte nord. Très bien, merci. Okay. Bon, on arrive. Continue, Richard. Dan, je pense que Régent avait. Oui, tu avais une autre question à Régent, oui. Merci encore. À mon avis, c'est très, très important, dans le fond, de tout ce qu'on a parlé tantôt, c'est de réaliser, on dirait que la période charnière pour ma communauté, puis pour tous les Québécois et les Québécoises et tous ceux qui vivent sur la côte Est, 1759, après la bataille de Québec de 1759, les Anglais, étant donné que les Abénakis faisaient partie des nations qui tenaient tête aux Britanniques avec leur frère, la Grande Confédération Wabanaki, étaient, en fin de compte, c'était la Confédération Wabanaki qui tenait les Anglais par la gorge. Ils ne savaient pas quoi faire parce qu'il y avait des raids tout le temps et ils étaient probables de s'implanter nulle part. Donc, étant les grands-pères de la Confédération, qui sont les Abénakis, quand le major Roger a attaqué le village le 4 octobre 1759, en sachant que nos guerriers étaient toujours à Québec parce qu'on s'était battu aux côtés de Montcalm contre Wolfe, savait qu'il foutrait la peur au sein de la Confédération Wabanaki en démantelant, en déchirant les membres de la Confédération, qui a fait qu'on a perdu le Québec et une partie de Détroit, une partie du territoire, parce que par rapport à cette attaque-là, l'autre chose aussi que je pense qu'il n'y a pas grand monde, peut-être que j'en ai parlé avec vous autres auparavant, le père Roubaud, qui était missionnaire à Odanak, comment se fait-il? En fin de compte, je vous laisse là-dessus, parce que c'est une question peut-être à développer, à fouiller. Le père Roubaud était missionnaire à Odanak, avant l'attaque de Roger, disparaît chez les Iroquois à Kanasatake qu'on parle aujourd'hui. Donc, il savait que Roger s'en venait. Il était arrangé avec Murray parce que c'était un grand fan de Murray. Mais ce qui est plate là-dedans, je trouve triste, puis je pense que c'est la raison pourquoi on a perdu Québec et ce n'est pas la bataille de Québec, c'est qu'il a intercepté des correspondances entre le gouvernement français, Versailles et Montcalm, que Murray et les Britanniques ont pu attaquer et prendre Québec. Donc, c'était vraiment, on dirait que tout s'est joué suite à la bataille de 1755, l'attaque sur les Abénakis. Parce que dans le fond, l'attaque, il y a eu quoi, 30, 40 victimes. C'était pas ça qui était important. C'était de foutre la peur au sein des nations de la Wabanaki puis de démanteler la Grande Confédération pour qu'ils prennent le Québec puis prennent la Nouvelle-Angleterre qui était la Nouvelle-France qui est devenue la Nouvelle-Angleterre. Mais Roubaud a joué un rôle majeur là-dedans. Puis, comme je disais tantôt, une chance qu'on parle encore en français parce que je pense qu'on aurait passé au cash toute la gang. Là, puis on sera pogné de parler en anglais. Merci. Dernier point, Marco, tu avais mentionné aussi que quand Québec a cédé, il n'y avait pas besoin de céder. Oui, bien. Ça fait correspondance un peu avec la région. Oui, bien, c'est tout à fait. Puis c'est ça, en fait, l'élément, je vais faire ça bien, bien rapidement, c'est que la bataille des Plaines, donc le 13 septembre 1759, il n'y a rien qui est gagné au terme de cette bataille-là qui a duré une trentaine de minutes. Parce que les Français, les Canadiens ont pu regagner, tu sais, qui ont survécu les échanges de coups de feu, ont pu regagner les murs de la ville. Là, ensuite, ce qui arrive, c'est que les Anglais sont sur les plaines d'Abraham pour le temps qu'ils sont là.
l'hiver plutôt approche à grands pas. Donc, c'est, je pense que c'est Saunders, d'Amiral, qui mettait de la pression sur Murray pour lui dire, tu sais, fais ton move si tu veux prendre Québec. Parce que quand les glaces arrivent, nous, on est fait. Fait qu'il faut remonter le fleuve avant que les glaces arrivent. Et à Québec, après cette bataille-là, il y avait encore de la bouffe pour 8 jours. Il y avait encore des armes, il y avait encore des soldats, il y avait encore tout ce qu'il fallait pour tenir la ville. Et les instructions qui avaient été données par Vaudreuil au gouverneur de la ville, Jean-Baptiste de Ramsey, c'était de tenir la ville jusqu'à ce qu'ils reviennent. Il y a eu, mettons, au début, c'était de tenir la ville jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bouffe. Mais ensuite, quand ils ramassaient les troupes, c'était de tenir la ville jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et 5 jours plus tard, donc le 18 septembre, pendant qu'il y a encore de la bouffe, pendant qu'il n'y a encore aucune raison de laisser la ville entre les mains de l'ennemi, les Britanniques avaient donné donc une demande, une requête de bourgeois aux dirigeants de la ville, en demandant de donner les clés de la ville. Et là, il y a un conseil de guerre qui a été commandé avec 14 membres du conseil, donc 13 Français, des officiers français et un qui venait du Cap-Breton. Et ils ont voté 13 sur 14 pour donner les clés de la ville aux Anglais. Avec les honneurs de la guerre, c'était ça l'échange qui était fait. Donc, quand Vaudreuil et Chevalier de Lévy sont arrivés aux portes de Québec, je pense que c'était le 20 septembre, très peu de temps après, ils ont constaté que les Anglais avaient pris pied à l'intérieur de la ville. Ils étaient absolument en furie parce que c'est un acte de trahison. La ville n'aurait jamais dû être donnée aux Anglais parce que les Anglais n'étaient pas dans une position de force à l'extérieur de la ville. Dès que l'hiver tombe, ils sont foutus. Ils n'ont aucune chance de survivre l'hiver. Leurs bateaux sont pris dans les glaces. Donc, ils étaient en position de faiblesse. Et c'est, ce que je considère, une trahison qui vient de l'exécutif français après l'abandon. On sait que l'abandon est un fait avéré. Et cette trahison, c'est-à-dire on a donné les clés quand on n'aurait pas dû. Donc ça fait aussi partie de cet ensemble-là. Puis avec Régent, ça me ferait grand plaisir de pouvoir échanger là-dessus pour voir mettre les morceaux ensemble. Je sais aussi que les Abénakis ont joué un rôle très important d'un point de vue militaire dans la défense du pays. Donc, je pense qu'il y a différents morceaux du casse-tête qui méritent d'être peut-être mis ensemble. Mais pour moi, c'est un acte de trahison envers le Canada qui a été posé par Jean-Baptiste de Ramsey et les officiers français. À tel point que même la prise de Québec, ce n'était pas encore la fin du monde. Non, c'est ça, il y a eu la bataille, la revanche des plaines en avril 1760, tu sais. La bataille des plaines d'Abraham, le 13 septembre 1759, n'est pas un moment charnière comme on nous l'a raconté. C'est pas là que ça s'est joué. Ça s'est joué dans les jours qui ont suivi à travers un acte de trahison. On a donné les clés de la ville pendant qu'on n'avait pas, on n'avait aucune raison de les donner. À part que s'il y avait des deals qui étaient faits à Versailles ou en Europe, entre les différents monarques pour se dire qu'est-ce qui se sépare comme territoire. Mais d'un point de vue militaire, les Canadiens ont été trahis par les hautes branches exécutives de l'armée, des autorités françaises. Bon, on est arrivé à la fin de l'émission. Je vous remercie d'avoir participé à l'héritage métis, à la question métis, à CRFRH 88.1. Si vous avez des commentaires, envoyez-moi un message par courriel ou par email, téléphone, donnez-moi vos commentaires. Bonjour, là, merci. Je termine, Victorin, en passant, j'allais juste vous rappeler que ce n'était pas terminé en 1760, parce qu'en 1761, il y a eu la bataille de Restigouche.